Allez, c'est parti. On va. Est-ce que. Oui, c'est bon, je peux charger la partie. Ok, ça me ramène ici. Bon, c'est reparti pour un fight versus Méga Satan. Voilà. Yes. Ok. Ah, le bâtard. J'ai aussi l'objet qui fait que les objets me suivent et les mains donc. Et du coup c'est pour ça que le cœur d'âme me suit en permanence. Parce que j'ai un demi-cœur d'âme. Il me manque un demi-cœur d'âme. Hop. Donc il va me suivre tant que ce demi-cœur d'âme n'est pas comblé. Et là je préfère avoir besoin d'un cœur d'âme entier. Hop, ok. Bon, apparemment, c'est toujours la même chose, Satan. Ah merde. Ah, fait chier, j'ai dû le ramasser. En fait, c'est marrant, c'est comme si au-dessus il y avait une zone de vide où les ennemis peuvent pas marcher. Voilà, ok. Je vais le faire. Oh, ok, un ange. Je pense que je peux arriver à le tuer. Je parle de Méga Satan, bien sûr. L'ange ne devrait pas être un problème. Bon, encore un autre. Ok, cette fois-ci, celui-ci est rouge. Paralyser mes ennemis, ça m'aide beaucoup. Rien à foutre, je focus la tête, j'y vais en mode bourrin. Je pense que j'ai assez de points de vie pour tenir très longtemps. Yes. Oh, oh my god, il est pas terminé. Voilà. Ok. Ok. Je sais pas si mes larmes elles vont assez loin pour le toucher. Je vais me mettre là. Puis je vais bourriner encore. Oh, safe spot ici. Ah ouais, safe spot. Ah non, pas tant que ça.
Mon visage est abîmé. Yes. Yes. Hey. Oh quoi, aucun achievement pour ça. Ah, par contre une nouvelle, un nouveau fichier. Et du coup maintenant je devrais non pas les options, les stats. Yes, j'ai toutes les fins. Alors voyons voir l'attaque. C'était avec Kane je crois. Bah dis donc, ça n'indique pas... Ah, je suis triste. Je pensais qu'on aurait un truc pour nous dire que ça avait été fait. Bah en fait, apparemment, non. Vous voyez, par exemple, ici, il y a le cœur qui représente le cœur de Mom. La croix dans le bon sens qui représente avoir tué Isaac, je crois. La croix dans le mauvais sens qui représente avoir tué 3 points d'interrogation. Le truc en bas à gauche qui représente le fait d'avoir fini The Chest, et le truc en bas à droite qui représente le truc d'avoir fini The Dark Room. Et je pensais du coup qu'au centre il y aurait une icône spéciale pour Mega Satan, ben même pas. Bon. Et quand le truc est surligné en rouge, c'est dire qu'on l'a fait en difficile. Bon. Bon, je suis content d'avoir réussi ça. Tiens, j'ai pas débloqué le défi numéro 11. Faudra que je le fasse. Ok, bon, bah c'est cool. Je suis content d'avoir réussi à défoncer Mega Satan en live en plus. J'ai eu peur. D'ailleurs, putain, au début, ça a crash tout à l'heure en plein try. Ça m'a foutu un peu les bouches. J'ai eu peur de pas pouvoir recommencer, genre sauvegarde corrompue ou une connerie comme ça. Mais en fait non, ça va, j'ai pu recommencer. Du coup limite ça m'a avantagé, parce que du coup j'ai pu je le connaissais déjà un peu, voilà. Hop. Bon ben, j'espère que vous avez aimé voir Mega Satan se prendre une petite raclée dans la tronche, parce que pour le coup il m'a vraiment rien enlevé comme point de vie. Hop. Et donc si vous voulez voir les prochains streams de Binding of Isaac, même si là, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de Binding of Isaac, quoi qu'il me reste encore les challenges à faire. Il reste quoi en ce moment comme jeu? Il y a The Evil Within, que je suis en cours de partie, donc je vous le montrerai lui aussi prochainement. Je continuerai à faire des runs dessus et à les twitcher en même temps. Enfin, faire des runs de The Evil Within, c'est pas le bon mot, plutôt continuer la partie où j'en étais. Je crois que c'est tout. J'avais aussi commencé Call of Duty Advanced Warfare, mais j'ai pas joué plus que ça, donc faudra que je le continue aussi. Enfin voilà, donc comme d'habitude je préviens sur les forums, quoique ça fait un moment que je l'ai pas fait, que je lance des Twitch comme ça sans trop prévenir. Et donc suivez ma chaîne pour être informé de quand je lance un stream, et donc pour pas ne rater ces moments extraordinaires comme la putain de raclée que j'ai mis à Mega Satan. Oulala. Par contre franchement il est vachement fort. Je pense que bon, j'ai bien joué. quelle modestie. Non, et puis surtout le pouvoir de voler m'a beaucoup avantagé, le pouvoir de pétrifier les ennemis aussi. Celui qui me rend les cœurs, vu tous les points de vie que j'avais, je pense que j'aurais pu tenir plus longtemps, même si là j'étais dans une zone de confort, du coup je stressais pas, du coup je faisais pas de grosses erreurs. Enfin bon, donc dans ce cas je vous dis à la prochaine et bonne soirée. Ciao ciao.